Aujourd'hui, nous attendons encore de savoir si cet homme sera jugé. Et ça, c'est violent pour nous, très violent, de devoir peut-être considérer qu'il n'est pas responsable. Comment un homme avec de tels antécédents, une prise de diverses substances le jour du 25 décembre 2016, et surtout la conscience de son comportement sous ses emprises, peut-il l'être défini comme totalement irresponsable ? Nous ne pouvons pas accepter ça, alors on compte sur cette dernière expertise pour nous donner le droit à un procès, le droit à la justice et apaiser un peu notre colère. Aujourd'hui, l'attente est longue et insupportable. En envoyant ces lanternes au ciel, nous rendons un hommage sincère et soutenu par vous tous à notre papy et mamie qui nous manquent tant. Alors, on espère interpeller et on aimerait être considéré et arrêter d'être délaissé depuis 2 ans face à ce traumatisme et cette injustice. Merci à tous de votre présence encore. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour nous tous. Merci aussi à la mairie de Montvendre et plus particulièrement à Stéphane pour la logistique et l'organisation, ainsi que l'Amicale des pompiers. Merci à Jennifer et Maxime pour accompagner ce beau moment en musique. Et enfin, merci à nos parents envers lesquels on est tellement reconnaissants et admiratifs. Vous pouvez commencer à faire brûler les lanternes. Il y en a tant qui tu le fais tant.